Le culte du sang est étrange, bizarre. L'amour du liquide rouge est peut-être plus fort que celui de l'enveloppe humaine qui le recouvre. À venir déguster du sang de bœuf frais, suivant prescription médicale, naturellement. C'est comme ça que l'on guérit l'anémie aujourd'hui. C'est devenu très à la mode. Les belles dames y rencontrent les beaux messieurs, les élégantes y côtoient les vieux beaux. Seulement, un jour, quelques jeunes filles de la bonne société décidèrent de goûter autre chose que du sang de bœuf. Ces jeunes filles se réunissent au château. La veille, deux d'entre elles viennent et cherchent une proie. Un mâle. Il est sacrifié et les belles dames boivent son sang. Quand la domesticité revient un jour plus tard, toute trace du massacre a disparu. C'est tout. Le sang, c'est la vie quand il coule en toi. Mais c'est aussi la mort lorsqu'il s'échappe. C'est à la fois le symbole de la vie et de la mort. Il est peut-être impossible d'y échapper lorsqu'on y a trempé les lèvres.